Ça y est, ils vont tous savoir que j'ai plus de cheveux derrière le grain. Hein. Des oreilles écartées et plus de cheveux derrière le grain. Est-ce qu'elle évolue à son meilleur niveau en ce moment, Azana? Est-ce qu'elle te déçoit ou est-ce que Azana, tout simplement il y a des bons chevaux qui sont apparus? Azana a très bien travaillé. Là, elle vient d'égaliser son corps. Hein. C'est ce qui a marché quand elle a gagné groupe 2. Là, il y a la transition qui se fait en ce moment entre les chevaux qui ont très bien travaillé à 2 et 3 ans et des chevaux comme un ou deux ou autres qui vont finir en très bons chevaux et qui vont courir le cornuier. Donc, les chevaux à travailler, je pense, à très bien travailler au bon moment. Là, on sait que ça va être un peu plus dur. Elle a été seconde de groupe 1, elle a gagné 2 groupe 2. Voilà, moi, quand je me suis installé, gagner groupe 2, c'est un peu sorti de mon vocabulaire parce que je ne pensais pas que ça puisse arriver un jour. On va pas lui jeter la pierre. Non, on l'aime bien, elle a mangé tous les jours quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus dur. Mais bon, les maîtres sont bons à prendre. Hein. Les 4-5e places sont pour être 4-5e dans un groupe. C'est une victoire dans un grand plan pour moi. Donc, ça se trouve, je t'en présente un autre et tu vas rien voir. Tu savais qu'elle était Alzane, Azana Tremblaise ou... Non, je savais pas. Non. Ton objectif pour le président, c'est 4-5e? Ça serait bien. Après, on va un peu à l'aveuglette parce que j'ai plus du tout mes points de repère par rapport. Je peux plus la travailler comme je la travaillais avant par rapport à un problème pulmonaire. Donc, on la travaille au cardio. On ne la travaille pas vite, un peu plus de kilomètres. Elle a fait de la piscine. On a opté pour une façon de travailler complètement différente par rapport à ces problèmes pulmonaires. Donc voilà, peut-être qu'on va être surpris, peut-être que pas. Maintenant, même si elle fait rien, on n'en voudra pas. Mais après, ouais, si on est 4-5, ça sera déjà bien, je pense. Son travail de ce matin, c'est juste de l'entretien que tu as fait? C'est de l'entretien. La jument était bien souple. Là, elle sort d'une semaine de piscine, elle était chez Jean-Yves Léreté. Et elle a couru il y a 8 jours, donc elle est prête. Et il n'y a plus grand chose à inventer. J'aurais aimé lui en mettre un petit peu la pression à une semaine du président, mais je peux pas. D'un point de vue physique, je peux pas leur travailler. Donc on fait avec.